les sons. Et ça parlait de la jalousie. Et cette jalousie est née de l'action de Abel envers son Dieu. Donc, ce qui a plongé son frère Caïn dans une situation très grave. Donc, pour illustrer notre leçon, nous allons regarder les images ici qui vont illustrer encore davantage et clairement notre leçon. Donc, voilà. Voici donc M. Abel qui a mis son offrande sur l'autel. On prend l'autel ici pour offrir au Seigneur ce qu'il a comme le plus beau cadeau pour Dieu merci pour tout ce que le Seigneur lui a donné. Et donc, ici, voilà. Cela va susciter ou encore va donc mettre terme à son frère Caïn, qui son offrande ne serait pas acceptée par Dieu. Et donc, Caïn va se mettre en colère face à son frère. Et après cela, voilà, vous allez le regarder ici. Son offrande, ou encore ce qu'il a voulu offrir à Dieu n'a pas été accepté, et ça lui a mis en colère. Et quand vous regardez, le visage s'est crispé, c'est ridé. Cela va l'amener toujours dans une réflexion profonde, qui va le pousser toujours à mener des actions négatives envers son frère. Et aujourd'hui, un peu devant. Vous allez voir qu'il a demandé donc à son frère Abel de partir au champ en tant que frère d'un même père et d'une même mère. Ils sont en train d'aller au champ. Mais dans une idée très profonde de venger. Et cette manière va venir de la jalousie. Jalousie mal placée. Et c'est ce qui va l'amener ici à chercher à commettre un péché, c'est-à-dire à tuer son frère Abel, partant d'un camion qu'il a ici en main. Voilà ça ici. On passe à l'image suivante. Voilà. Il a abattu, il a assommé déjà son frère qui est donc par terre avec le sang qui est en train de couler. Des frères d'une même mère et d'un même père, question d'offrande. Et cette offrande a fait naître la jalousie. Et voilà ce qui a amené Caïn à commettre ce qu'on appelle le péché. À faire mourir son propre frère. Et voilà, ici. Et son acte va donc créer un mécontentement de son Dieu. On continue. Voilà, Dieu va donc réagir ici en lui disant qu'il va souffrir et que la terre lui produira bien malgré tout ce qu'il fera. Parce que nous sommes défendus de commettre des péchés. Et lui, il est allé de simples jalousies pour pouvoir ôter la vie de son propre frère. En parlant, il s'est agené face contre le sol, mais Dieu lui a maudit. Malgré tout ce qu'il fera, la terre lui produira bien du tout. Et face à cela, il s'est agené face contre la terre. Regretter. Mais au lieu que Caïn puisse dire non, renoncer au péché, Caïn continue toujours. Et il a répondu quelque part qu'il n'est pas le gardien de son frère. Lorsque Dieu est en train de le reprocher face à ce qu'il a comme reçu, ce qu'il est en train de faire avec son frère. Voilà. Donc, ici, quand
tenu le meuble, l'image que vous avez vue auparavant est venue ici. C'est pour dire que Caïn sait quoi faire et il est toujours dans la tristesse. Donc, cette situation a plongé le frère de Abel dans un cercle où il ne pourra plus se retrouver et sortir. Et donc, pour cela, en tant que des élèves, si vous êtes dans une même classe et que votre ami arrive à avoir une bonne note, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons fournir des efforts aussi. Fournir des efforts également. Pour être meilleur et avoir aussi 18 comme lui. Et donc, c'est pour dire que tout travail paye et que la jalousie doit être bannie par le travail et pour éviter le péché. Donc, voilà, en bref, ou encore la substance de notre leçon qui porte sur la jalousie qui a poussé Caïn à tuer son propre frère, partant de ce beau cadeau que son frère Abel a offert à son Dieu. Donc, voilà en bref la leçon, notre image qui nous parle, et désormais, en tant que des élèves, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous demander pardon lorsqu'on arrive à offenser l'autre, ou encore lorsqu'on arrive à désobéir au règlement de la classe, ou encore de l'établissement. Et sinon, nous avons fini avec notre leçon qui porte sur la jalousie. Parce que parfois, on est en colère. Clairement, on